What's up tout le monde? Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la Nether Update. Aujourd'hui, nous allons découvrir les nouveaux bastions ainsi que les nouveautés apportées avec les nouvelles snapshots. Sans que vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce que tu fais ici? Bon, il se trouve que j'ai eu un sacré souci avec ma map Minecraft. J'en rigole, mais en vrai, je devrais tellement pas, j'ai trop le seum. Oh, kawaii! Bon, j'ai eu un gros souci avec ma map, je vais vous montrer ça directement. Et voilà, là, ce n'est que le début, mais si je retourne... Oui, la maison a quasiment disparu. Alors en gros, ce qui se passe, c'est que j'ai cru qu'en fait, la dernière version, c'était la 1.15. Du coup, je me suis lancé dans ma map et tout, je la génère et tout, bref. Et là, je me dis, ah, c'est bizarre, pourquoi se passe ça, là? Du coup, je relance le jeu et je me dis, mais attendez, la dernière version, c'est pas la 1.15. Et en fait, il se trouve que j'avais lancé le jeu en 1.15 et non pas en snapshot. Du coup, tous les nouveaux blocs ont disparu. Et bah du coup, bah, le reste a complètement disparu et impossible de recharger l'ancienne map. Oui, j'ai bien le seum et mon stuff aussi a disparu, mon sacré stuff que j'avais farmé. Du coup, nous voici sur cette nouvelle map. Une nouvelle map, une nouvelle aventure, un nouveau monde, bref. On va être parti pour vous montrer un peu ma nouvelle maison. Parce que oui, il y a une nouvelle maison, j'ai récupéré mon stuff et tout. Voilà, j'ai un peu récupéré tout ce que je pouvais. Il y a toujours notre petit strider qui est juste là, voilà, notre strider qui s'appelle maintenant, je ne sais plus comment, je crois que ça s'appelle des glisseurs, je ne sais plus comment ça s'appelle en français. Mais du coup, voilà, il est juste là, je lui fais un petit enclos parce que sinon il mourrait de froid, j'ai capté ça, en fait, s'il n'est pas dans la lave, bah, il devient tout bleu et il meurt de froid. Donc, on va le mettre dans la petite lave pour l'instant, il est magnifique, je kiffe trop ce mob, hein. Vous l'avez tous kiffé dans la dernière vidéo. Parce que dans la dernière vidéo, c'est là où on les avait trouvés et vous avez tous apprécié ce nouveau mob et vous avez donné plein de noms, donc on va le renommer aujourd'hui, j'ai mon petit name tag. Mais ça, on le fera plus tard dans la vidéo. Maintenant, je vais vous faire un petit world tour. Enfin, un world tour, on va plutôt parler de ma maison. Parce que le world tour sera plus tard, bien sûr, j'améliorerai et tout. Là, je ferai un petit chemin. Mais regardez-moi ça déjà. Dans les arbres, on peut l'apercevoir à travers les petits arbres. Regardez-moi ça comme c'est beau. Je kiffe beaucoup trop. Elle est vraiment stylée. C'est toujours une maison moderne. Voilà, pour rester un peu dans le thème, j'ai fait mes petits escaliers. Donc, on rentre par ici, bien sûr, je torcherai parce que sinon, il va y avoir plein de mobs. J'ai toujours ma petite salle d'enchantement, 30 levels avec l'enclume et tout. Ensuite, j'ai ma petite terrasse avec les blocs que j'arriverai pas à retenir leur nom pour l'instant parce qu'ils sont trop nouveaux pour moi. Donc, voilà, la nouvelle petite terrasse avec une magnifique vue sur le désert avec le portail du Nether juste ici. Donc, voilà, une maison moderne qu'on améliorera bien sûr. Et ensuite, les petites marches pour monter à l'étage. Je kiffe beaucoup trop cette maison avec notre salle des coffres et notre fameuse pomme de notch qui est même plus craftable maintenant avec les nouvelles versions que j'ai réussi à trouver par pur hasard et par pure chance dans un donjon. Voilà, en allant creuser en minopti pour trouver du diamant, j'ai trouvé ça. Donc franchement, c'est mon petit trésor, c'est mon précieux. Donc voilà, il est juste là. Bien sûr, il y a plein de choses à faire. N'hésitez pas à marquer des idées dans les commentaires. Je sais pas, faire un petit jardin ou plein de trucs en bas. N'hésitez pas à marquer tout ça. On compte aussi faire pas mal de redstone parce qu'il y a pas mal de mises à jour qui vont arriver avec la redstone. Et du coup, bah, ce sera le moment ou jamais pour moi d'apprendre à m'en servir parce que j'ai des en redstone, mais j'aimerais bien, voilà, savoir faire tes plein de gros systèmes et tout, vraiment trop stylé. Bref, aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous allons avant renommer notre strider. Alors, je sais pas combien ça coûte de level, ça coûte que un level, c'est parfait. Par contre, je viens de capter un truc, il y a un poulet dans ma maison. Bonjour, monsieur poulet, est-ce que vous pouvez sortir d'ici? Sortez, monsieur, sortez. Il y a eu pas mal de, quand même, de commentaires pour me donner des noms, et du coup, celui qui est ressorti, c'est celui de Striderman. Franchement, je le trouve vraiment stylé et très très bien trouvé. Donc je remercie cette personne qui a trouvé ce nom. J'afficherai ton commentaire, bien sûr, pour te remercier. Bon, Striderman, c'est parti. Et franchement, c'est vraiment stylé, Striderman. Regardez-moi ça. Parfait. Voilà, monsieur Striderman, on le fera au plus gros enclos, bien sûr, plus tard. Parce que là, il est un peu à l'écart et il est plutôt stylé. Du coup, on le fera... Ah, oh, ça serait gros, grave stylé de faire un énorme parc de lave. Ah oh, ouais, ça serait magnifique. Bref, Striderman qui est juste là. Le zombie, tu vas dégager, par contre. Merci. Voilà, Striderman qui est juste là et il est vraiment cool. Bon, par contre, j'ai pas de lit, il faudra que j'aille chercher des moutons parce que bah, j'ai plus mes moutons multicolores comme la dernière fois. Donc, il faudra que je fasse tout ça, mais je le ferai en off. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est d'aller voir les nouveaux bastions, les nouvelles structures du Nether et ainsi que plein de nouvelles structures. Je sais qu'il y a des sortes de portails à trouver, c'est vraiment trop stylé. Bref, allons-y parce qu'il y a eu plein de nouveautés aussi, l'ajout de l'or dans le Nether. J'ai vraiment trop hâte, donc c'est parti et waouh. J'ai l'impression qu'ils ont rajouté beaucoup plus de flou dans le Nether. Ah, regardez, il y a l'or. Déjà, on la voit, l'or, il y a plein d'or au sol, ça c'est cool pour farmer et avoir les piglins parce que n'oubliez pas que la dernière fois, j'avais farmé mon livre pour avoir l'enchantement aller vite sur les soulstones, je crois que c'était ça. Bah, sauf que bah, j'ai pas réussi à l'avoir, donc ce sera toujours le moment pour moi de le farmer. Bref, récupérons un peu d'or, parce que regardez-moi ça, tout ce que ça loot, c'est incroyable. Est-ce que ça donne beaucoup d'XP? Ça donne en plus de l'XP, c'est incroyable ça.
Bref, c'est parti à l'aventure des bastions. Dommage que j'ai pas d'Elytra. Vous m'avez dit de faire le l'Ender Dragon, du coup j'irai farmer aussi les Enderman pour le faire, parce que là on fait beaucoup de Nether Update, je suis désolé. Je vais essayer de faire plus d'épisodes dans cette série. En tout cas, moi je kiffe beaucoup trop. Je trouve que le Nether est beaucoup plus, beaucoup plus stylé, et il donne plus envie d'aller explorer. Parce que de base, le Nether, t'allais juste pour trouver les forteresses, et après tu te barrais. Maintenant ça donne beaucoup plus envie de s'installer comme je l'avais fait. Vous inquiétez pas, je ferai bien sûr une autre maison dans le Nether, mais pour l'instant je me suis dit que fallait mieux le faire à l'extérieur, parce que c'était déjà assez compliqué de survivre. Du coup, j'en ferai une autre bien sûr, mais pour l'instant notre maison de base sera dehors. En plus c'est beaucoup plus sympa, c'est beaucoup plus lumineux. Donc je sais qu'il y a des nouveaux portails en obsidienne qui sont apparus dans le monde normal, donc on ira en chercher parce qu'il y a des coffres et tout, donc c'est plutôt sympathique. Donc ça c'est un truc qu'on va faire aussi après, parce que j'aimerais bien en trouver, je sais pas trop à quoi ils ressemblent. Et je sais qu'il y a des coffres aussi, donc ça peut être plutôt intéressant. Allez, on saute. Ugh. Ok, c'est bon, la chute était un peu rude, mais c'est passé, attention, MLG, MLG, oh oui, c'est passé. Bon, toujours pas de bastion là, ou ça se passe comment? Genre c'est quoi ça là-bas? Parce que je sais qu'on peut trouver aussi les portails que je vous parlais dans le Nether, donc ça pourrait être sympa. Ah, encore ce biome, c'est vraiment cool, mais j'aimerais bien avoir le biome bleu, moi, un peu. Que là, ah, il y a une forteresse. Ah, mais c'est un bastion. Oh, je crois que c'est un bastion. Je crois bien que c'est un bastion. Ça y est, les amis, il est juste là, le bastion. Je sais qu'il y a un gaz, par contre, encore, donc je vais faire attention. Et en tout cas, c'est cool, on a le bastion. Oh, wow, ça va être la bagarre, ça, je vous le dis. Je pense qu'aussi, au niveau des coffres à l'intérieur, on risque d'avoir des belles récompenses. Donc, j'ai vraiment trop hâte d'explorer ça. Par contre, c'est vraiment trop bizarre. Genre, j'ai l'impression que c'est une structure qui s'est mal formée. Souvent, dans les mods, il y a des structures et, tu sais, elles se forment un peu mal. Genre, c'est un peu cassé à des endroits. Hop là, ah, c'est des nouveaux blocs. Oh, ils sont beaux. Moi, j'aime bien. C'est des blocs de pierre noire taillée craquelée et des roches noires. Ces blocs, comme j'allais le dire, c'est vraiment hyper cool. Parce que, en gros, pour les décorations, ben, on n'avait pas beaucoup de blocs noirs, tu sais, un peu genre, un peu dans ce style comme ça. En tout cas, je suis en train de les récupérer parce que je les trouve magnifiques pour améliorer des grottes aussi, faire des décorations de grottes, ça peut être vraiment stylé. Alors, ça a l'air de redescendre par ici, je ne sais pas. Ah, là, nous arrivons à un nouvel endroit. Ah, ici, ça m'a l'air beaucoup plus dégagé. Bonjour. Ah, je vois qu'aussi on peut faire des dalles. C'est quoi ce bloc? Ça, ça a l'air d'être un nouveau bloc. C'est de la basalte. Ah oui, le biome basalte, j'en ai entendu parler. C'est un nouveau biome, mais je crois qu'on est juste à côté. Par contre, il va falloir aller vite les tuer. C'est les basaltes, du coup, on va essayer de les récupérer et de trouver le biome basalte. Heureusement qu'on a un bon stuff et heureusement qu'on a de la netherite. Parce que sinon... Oh, il y a du monde. Sinon, on n'aurait pas survécu, mais ils font quand même mal. Hein. Je suis quand même en P2 et ils font assez mal quand même. Et j'ai l'impression qu'il y a des spawners. Après, pour l'XP, ça peut être pas mal. Oh, je vois un coffre là-bas. Là-bas, je vois un sacré petit coffre. Ok. Oh, il y en a un ici. On va falloir régène, par contre. Hein. C'est parti pour une expédition top secrète. Je sais pas où du tout où est le coffre, mais on va le trouver, je pense. Ah, ça en a réapparu. Où était le coffre que j'ai vu? Ah, il est là, le coffre. c'est un peu décevant pour ce coffre. J'essaie de voir s'il n'y en a pas d'autres. Je pense qu'il y en a d'autres, hein. C'est sûr. Oh, what? Et en vrai, c'est vraiment dangereux avec la lave en dessous et tout. Ça rigole pas. Hein. Oh, faut vite fuir, en fait. Faut vite fuir. Oh, y a... oh, ouais, l'étage, il est beaucoup mieux. Ah ouais, c'est moins le bazar, déjà, à l'étage. C'est mieux pour explorer. En tout cas, je vois pas mal de coffres. Par contre, les zombies, enfin, les cochons comme ça, ça tente beaucoup trop. Alors, le petit coffre, qu'est-ce qu'il nous réserve celui-ci? Oh! Déjà, c'est un peu mieux. Nous avons une selle, de la glowstone, des petits champignons qu'on va récupérer. La glowstone, bon, on va la prendre pour l'instant. Je sais pas si c'est trop utile. Et j'avais vu un gros coffre. Ouais, là, il y a un énorme coffre, j'ai l'impression. Non, c'est un coffre normal. Oh, oui! Je l'avais prédit, il était en hauteur. On a de l'obsidienne, c'est cool, on va récupérer. Tout ça, on gercle parce qu'on n'aime pas. On va récupérer l'or, on va récupérer ça, et on va récupérer les arbalètes. Et attention, le livre, c'est quoi? Agilité des âmes. Oui. Oui, enfin, les amis, il est là. Et j'aurais pas besoin de le farmer, en fait. C'est beaucoup trop cool, ça. Nous avons, enfin, bien sûr, on le mettra sur nos petites bottes pour le tester. Yes, ça, c'est cool. Ben, voilà, ça fait un objectif en moins à faire. Nice. Et ben, je savais pas, c'est cool, ça. On va pouvoir farmer, c'est bon à savoir. Ah oui. Ah oui. Ah oui, là, c'est compliqué, là. Je vous avouerai que... Ah oui, non, mais là, c'est... Allez, waouh, c'était quoi, tout ce monde? Attendez, j'ai pas tué tout le monde, par contre, hein. Je sais qu'il en reste. Ok, il est tombé. Va falloir trier un peu. Oh, yes, de la Crying Obsidienne. Oh, une nouvelle musique. C'est la nouvelle musique, trop bien. Je l'ai jamais écoutée, je sais qu'il y avait une musique, mais je l'avais jamais entendue. Trop, trop bien. Par contre, j'ai beaucoup trop de choses sur moi. Peut-être une arbalète, on s'en fiche pour l'instant. Les champignons aussi, ça aussi, on s'en fiche. Oh, le double coffre. Waouh, ah oui, non mais c'est beaucoup trop bien.
Ça donne trop envie d'aller farmer, c'est trop cool. Allez, tac, 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 ça on récupère tout ça. Ça, c'est vraiment utile. Tac, tac, tac. Nickel. Le fer, je sais pas trop. Voilà, ok. Eh, mais c'est beaucoup trop bien. Par contre, attendez, je suis sûr qu'il y a d'autres coffres. Je crois que ça grouille de monstres ici. Hein. Oh, yes, un coffre. Qu'est-ce que nous avons? Oh, des spectralaro, je les ai jamais utilisés. Ah, c'est le moment de les utiliser, vu que j'ai une arbalète en plus. En tout cas, les bastions, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais c'est vraiment hyper stylé. Hein. Je me suis grave éclaté à explorer, il y a vraiment du challenge. Tu sais, tu sens pas que c'est trop simple, genre, c'est pas comme la forteresse où t'as l'habitude. Là, vraiment, ça donne... Enfin, il y a un peu de challenge, et du coup, tu dois bien temporiser et tout. Franchement, c'est validé pour ma part. N'hésitez pas à marquer dans le petit sondage qu'est-ce que vous en pensez, vous, mais moi, en tout cas, c'est validé 100%. Alors, est-ce qu'il y a le spawner? Oui, nickel, il y a le spawner. Bah du coup, je vais farmer. Ah bah nickel, là-bas, en plus, il y a déjà du blaze. Peut-être le crâne de squelette serait vraiment incroyable. Attention. Ah, non, dommage, pas de crâne de squelette. Mais en tout cas, on a le blaze. Ah, ça y est, nous sommes au portail. Trop, trop bien. J'ai essayé de voir combien, parce qu'avec tout ce qu'on a récupéré comme or, on va essayer de voir combien j'ai réussi à avoir d'or. Et un jour, j'essaierai d'aller farmer de mon côté, genre pendant, allez, 10-15 minutes l'or, et voir combien je peux en tirer. Bon, maintenant que cette expédition est finie, je vous avais parlé des portails dans la nature. En effet, il y a des nouveaux portails qui sont apparus. C'est des portails vers le Nether. J'ai juste envie d'aller les trouver parce qu'ils ont l'air assez impressionnants, et je crois qu'il y a des coffres, donc c'est le moment pour nous d'aller chercher d'autres petites ressources. Et je sais pas pourquoi j'appelle ça des ressources. Bref, on va être parti, il faut aussi que je dorme, mais avant ça, on va déjà mettre l'enchantement sur nos bottes. Ok, nickel, ça coûte pas hyper cher. Donc, du coup, c'est agilité des âmes en français. On va tester ça directement, hop là. Donc, est-ce que ça va vite? Oh oui! Mais what the fuck? Attendez, c'est quoi ce délire? C'est trop bien. Allez, le jour se lève et c'est le moment pour nous de partir en exploration, trouver ces fameux portails. Ah, là-bas, nous avons une structure, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Je viens de le voir parce qu'il y avait de la lumière, je ne sais pas. Ah, je crois pas que c'est ça. Ah, je sais pas du tout, je crois... Ah non, il y a un coffre. Non, c'est une structure normale, celle-là. Mais on va quand même aller jeter un coup d'œil en espérant peut-être trouver une carte au trésor. Zébardi. Ah, mais si, c'est ça. C'en est une. Mais yes. Mais, oh, mais c'est n'importe quoi, cette chance que j'ai. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Protection, châtiment. On va récupérer des boules de feu. Ok, ça en récupère des protections, explosion. Ok, donc ça se présente comme ça. Eh, mais ils sont grands, en fait, les portails, hein. Ok, bah c'est cool. Là, nous avons de la crane obsidiane. Je ne sais pas si elle encore... On peut encore s'en servir pour faire un portail. Normalement, on pouvait pas, donc je sais pas si là, on peut. Quand ça met 10 plombs à péter sous l'eau, donc ça sert à rien, je vais devoir remonter. Ok, bah au moins, on les a trouvés. C'est nice, ça. C'est vraiment super sympa. Oh, je me suis fait aspirer. J'avais pas compris au début. Regardez, en fait, quand je passe là, je me fais aspirer là. Normalement, si on met de la soul sand, ça nous propulse. Et là, ça nous aspire. C'est cool. Ici, est-ce qu'il y a des cartes au trésor? Je ne sais pas. Hop là, petit coffre. Oui, carte au trésor enfuie. Nickel. Ok, on récupère tout ça. Hop, hop, hop. Allez, on y retourne à fond. Est-ce qu'il y a aussi un... Oh, il y a une carte au trésor. C'est n'importe quoi. C'est beaucoup trop bien. On va pouvoir faire plein de cartes au trésor. On va essayer de passer dans le petit trou. Oui, c'est passé. Est-ce qu'il y a des trucs cool ici? Non, il y a une petite tunique. Moi, je vais la prendre. On sait jamais. Hein. C'est toujours ça. Allez, bon, bah nickel. On a récupéré pas mal de trucs. Hein. Bon, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer à la maison et on va déposer tout ça. Oh fuck, non! Non, la puce l'a tué! Non! Rest in peace, Strider. Oh, j'en trouverai un autre. Oh, mais non! Non, je ne savais pas! Pourquoi s'acharner comme ça? Oh non, fallait bien un peu de malchance dans cette vidéo aussi, hein. C'était sûr. Oh non, j'ai trop d'œil. Rip Strider-Man dans les commentaires. Oh non, non, j'ai trop le seum. Bon, pas grave. Et donc voilà, on va pouvoir s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, mais avant que vous partez, n'hésitez pas à lâcher votre petit like ou votre petit dislike si vous n'avez pas aimé. N'hésite pas à t'abonner si toi t'es nouveau derrière ton petit écran, n'hésite pas à activer la petite cloche aussi au passage. Et n'hésitez pas à proposer des idées comme d'habitude de décoration, de tout ce que vous voulez dans les commentaires, moi je prends avec grand plaisir. Bref, c'était que ouais, nous on se dit à la prochaine, d'ici là portez-vous bien, allez, iPhone.